Là, tu vas commencer à avoir un petit peu plus de mal à me faire reculer, mon petit gars. Je peux te le dire. Parce que des AMG dans la Ivy Forêt, les AMG2, ouais. D'ailleurs, ils se tirent tout seuls. Ouais, il recule sur ses positions. Il a une grosse roue, je te parie qu'il va nous demander la paix. Comme il est parti là. Je parie qu'il veut nous demander la paix. Il ne nous attaque pas. Même pas ici. Il ne nous attaque même pas ici. Non, non, c'est carrément les autres. Il se fait également attaquer, sans doute, dans ce coin-là. Oh, les petits gars. Look at this. On a les side skirts. Ils foncent, hein, mon petit 4 maintenant. Hein. On a fini les line troops. Silver retirement, ça commence. Increase, ok. Privé d'assets, pas de problème. Higher moral, on ne devrait pas avoir de problème non plus, logiquement. Bon. Excellent. Nous avons assez de munitions. Commençons par voir ce qu'on a reçu en... Déjà, archéologie. Est-ce que tu as quelque chose de nouveau pour moi, mon petit ? Non. Décision. 20e tour. Equality Circle, tu me donnes... donc toi, Buse, tu as rejoint Equality. Tu me donnes double shift. Et toi, tu me donnes le Jet Engine en découverte. Ouais. Victory Overview. Wilhelmnitz est passé en dessous de nous. Ça, de toute façon. Bon, culte, oui, 566 points de recherche, 291 privés de bonus points, tout ça, c'est très bien pour moi. Alors, on est bien en tête maintenant ici, c'est parfait. 47, on tient le coup, ça fait 107, donc je devrais tenir mon coup ici en heurte, parfait. Trésor, trésorerie, 20%. On a fait 115 de revenus, donc pour le moment on touche ça fait au moins 2 tours d'affilée qu'on touche du fric. Et on est à peu près équivalent. On n'a pas eu de force cette CL. Les demandes, nous sommes maintenant 441 pour 471. 73 pour 77, on a 12 tours qui nous restent, et les private assets, ok, tout se passe merveilleusement bien, on a près de 80 minimum partout, notre cabinet, 3 personnes qui sont un petit peu en retard, donc voilà, on va peut-être quand même avoir une petite décision qui ne me plaira pas trop. Alors, l'eau morale uniquement là, ok, 14%, ben c'est parce que je n'avais que ça à t'envoyer, mec. Et enfin, l'Empire Dashboard, nous perdons 12 ici. Et nous avons perdu 31, c'est tout. Nous ne gagnons plus de PP supplémentaires. Oui, c'est juste qu'on a perdu un petit peu parce que les gens sont un peu moins contents, puisque j'ai fait quelques petites modifications dans notre petit système. Light Armor Army à 72. Alright, ça c'est terminé. Les régimes, je veux voir mon ami ici, 88-82. Zandmark, tu me montres ce que tu as recherché de nouveau. Tu ne recherches pas. Tu n'as recherché strictement rien là-dedans. Par contre, tu as trouvé Personal Armure Optimisation et tu es occupé de l'affaire. Très bien. Tu nous as piqué, enfin, on t'a donné Université Hydroponique Radiation Filters. C'est ce que nous t'avons. Et tu as les Advanced Sensors. Ça m'intéresse aussi beaucoup. All right. Ensuite, le Reich Wilhelmnitz, donc il voudrait bien l'appel, le petit monsieur. On va un petit peu regarder maintenant nos décisions. Tu nous demandes d'être en guerre avec Brodmark, mon ami. Je ne crois pas, je ne crois pas. Et c'est tout. On n'a pas eu de mauvaise demande, à part celle-là. Et mon petite demoiselle, je n'avais pas accepté cela. Je suis désolé, je ne vais pas accepter cela. Mais avant de dire que non, on va d'abord faire tout ce qu'on a besoin de faire. Service secret. Alors, service secret, il me faut du spy un peu partout pour voir ce qui se passe. L'internal security, c'est pour plutôt tuer vos leaders, en tout cas les empêcher de vous piquer trop de pognon. Donc ça, pour le moment, je n'en ai pas le besoin puisque j'ai d'excellents résultats. Et ça me permet aussi de modifier la politique, donc de pouvoir dire que telle ou telle faction va gagner. Ok ? Ensuite, par contre, il va me falloir de l'active field pour laisser mes trois voisins qui ne repassent pas en crusader. Et donc on va faire moitié-moitié, ça sera parfait. J'ai besoin d'active field et de spying. Voilà, c'est ce que je pense que ça devrait donner. Maintenant, il va me falloir du personnel, bien sûr. Et nous avons besoin maintenant de faire, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le guided. De toute façon, il faut faire à gauche maintenant. Il faudrait que je puisse ouvrir mon chemin vers ceci. Et donc, il me faut 3 bidules là. Profil, un tour, c'est tout. Ça serait sympa que tu me donnes un petit coup de free market, mec. Maintenant, ça fait aussi un petit temps qu'on est là-dedans. Curiosity, 60, 47. Donc là, 11%, c'est logique. Et c'est surtout ça que je voudrais que tu me termines enfin. Les assets. Nous avons terminé. Ici, nous sommes à 100%. OK. Boum, boum, boum. Et Hanson, nous avons... un tour qui reste, malheureusement, donc 25%. Ça. Ben non, on peut te laisser à 100%. Donc tu as eu un petit pépin parce que tu n'as pas assez de people. C'est le seul problème qu'on a. On n'a pas assez de people. Ben bon, j'espère que cette fois-ci, ça devrait aller. Le coup prochain, j'espère que ça ira. On a fini une librairie dans un tour. Et Carreca n'a pas encore démarré, je ne pense pas. Mais le tour suivant, il devrait... Si, il ne lui reste plus qu'un seul tour. Donc le tour prochain, on pourra lui lancer. Ben, c'est pas mal, hein, en tout cas, au niveau de tous ces trucs-là, c'est magnifique. Nous avons 394, donc on va gagner pas mal d'IP dans un tour, puis dans 3 tours. Ça va énormément monter mes trucs. 3280, 469, 394. Est-ce que nous voudrions... Je peux envoyer un nouveau 200 personnes, on va le faire tout de suite d'ailleurs sur Hanson. Je t'envoie 200 people en tant que worker, puisque ça nous manque hein, quand même. Merci monsieur. Alors, montre-moi un petit peu au fait comment tu en es là-dedans. Toi, il te faut combien? Tu as besoin de 43 000 jobs. Donc, on n'en a plus que 7 000 de disponibles. Hein. Ici, c'est ça un petit peu le problème qu'on a aussi. Et sur mon autre copain, Carreca, on va vérifier où on en est. Il n'y a pas beaucoup plus de monde. Hein. 48 000. Mais donc là, j'ai 40 000 de disponibles supplémentaires. Okay. Donc mes militaires, nous sommes à 5100. Oui, papapapam. Bon, on a de l'espace pour venir remplir un petit peu tout ça. Le modèle design. Nous avons fini l'infanterie, si je me rappelle bien. Oui, alors mon infanterie, comment est-elle? Mon infanterie... Qu'est-ce que tu nous as dessiné de beau, mon ami? Voilà, 124, c'était logique. Maintenant, on passe à 62 points x 6%. Et on est à 100 et 100, tout juste. 100 et 100, tout juste, voilà. 62, donc 38 maximum. Ouais, bon, c'est parfait. c'est parfait, nous n'avons pas de difficulté à réfléchir sur ces trucs-là. Et nous allons passer de nouveau opérationnel cost 3.3, il n'y a pas de différence, production cost, 1 métal, 4 métal, il y a une méchante différence en IP et ici. Mon avis, c'est que les line troops, oui, on va... Ouais. Quality, on va également la mettre celle-ci en low et celle-là va rester en on. C'est bien ça que j'ai fait là aussi. Ok, on peut construire maintenant de nouvelles unités. Je pense que nous n'avons... Est-ce que nous avons fini notre side skirt? Nous avons fini notre side skirt, mes enfants. Nous avons terminé notre side skirt. Et j'ai oublié de remplir mes charges. Je n'ai pas remis de charges là-dedans. Pourquoi j'ai pas oublié? Pourquoi je n'aime bien plus trop de trucs non plus. Comment vas-tu travailler? Mon ami, ici, il n'y aurait que 6 personnes. Ouh. Il n'y aurait que 6 personnes là-dedans. Et il y a une femme niveau 2. Pourquoi me laisses-tu venir ici, mon ami? Tu abandonnes tes positions. Alors, on voit qu'on a des avions ici. Ça veut dire que si j'amène des avions au moins ici, c'est quoi? C'est des chasseurs? Je pense que ce sont des chasseurs, small frame, fighter. Voilà. Donc, si j'envoie une reconnaissance ici, je pense que eux, ils vont venir nous frapper. Bon, on a quoi comme 97 de reconnaissance. Sur de l'agriculture, tu vas exploser, mec. Tu vas tout simplement exploser si je t'attaque maintenant avec ça. Donc on va le faire. On va commencer d'abord par attaquer avec notre char. J'ai besoin qu'il frappe. Et dirons-nous un petit moto cycle. On est toujours bon. Et si je te rajoutais ceci, ça serait toujours aussi bien. Ok, on attaque. Comme ça, je gagne un petit peu de points partout. Je perds une moto. Je suis à toucher une deuxième fois. Eh bien, dis donc, on en a du mal. Mais bon, elles étaient... vous avez vu, on n'avait plus assez de... C'était un problème de readiness. Autofapé. Là, ils sont perdus. Ok, c'est parfait. Parfait. Nous avons récupéré leur ferme, que nous allons laisser là, pour le moment, parce que je n'ai pas tellement envie d'aller me promener dans l'agriculture. Donc tout ça, ça nous appartient. Donc maintenant, on peut monter sans aucune difficulté par ici. Alors, toi, tu es à combien, mon ami? Tu es à 84 de reco. Et reco, numéro 2, c'est toi. Montre-moi les gens qui se cachent sur ce petit terrain. Alors, air attaque. J'avais du mal, les gars. Ah, petit touché. 2 morts, bien, c'est pas mal du tout, c'était pas mal du tout. Ok, on continue. Maintenant, il ne faut pas non plus faire de dégâts sur l'asset, hein, puisqu'elle est niveau 3. Cette asset a quand même... elle doit avoir 1200, 1400, je crois, quand même, de défense. J'aurais quand même bien voulu attaquer avec ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je t'utilise? J'enlève ça. Je veux des motos, absolument. Et puis, je veux le reste. Là, tu fais 1, 3. Tu as besoin de faire quand même à partir d'ici pour avoir l'encerclement. Et puis le meilleur de ceux-là, bon, ou les meilleurs de ceux-là, ou tous. Voilà. Là, je fais 4-2. Là, je fais 6-1. Ouais, je peux abîmer un peu leur asset. Je vais pas la buter, de toute façon, l'asset. Je fais que 10 points par round, enfin, par tir plutôt, que je fais dessus. Donc, on va attaquer avec tout ça, et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, on n'a que 10, on n'a que 10, c'est pas grave, on attaque. Ça devrait passer, je crois que ça devrait passer. On a un mec qui va enlever leur entrenchment, mais ils n'en ont pas de toute façon. Ok, un mort enfin. Ils m'ont tué deux personnages. Et nous reculons tout, c'est pas vrai, nous reculons tout, sauf mec. Ah là 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 là. Ça, c'est dangereux, parce qu'ils vont passer en breakthrough le tour prochain. On perd tout ça, et là, 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 on va avoir mal. Regardez ça, boum. Ouf, 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 ouf. Le coup de chance qu'on a, si en restait un seul, ils auraient pu faire du breakthrough. Et on a réussi à les avoir quand même. Voilà, Attacker 1, c'est parfait. J'ai pas besoin de rentrer dedans. Par contre, on va rentrer ici. Ça, c'est beaucoup plus intelligent. Ouf, ça a été juste, hein. J'ai manqué de perdre tous mes canons, là. Donc, je vois qu'on avait pris tout notre people. Il n'y a personne qui traîne. Puis personne ne peut bouger, je suppose. Non. Ici, par contre, je peux faire bouger le petit monsieur. On va ramener là-bas. Là-dedans, tu bouges pas. Si, tu peux te rapprocher, ici. Ensuite, vous, monsieur. Voilà. Tu viens là. Et toi aussi. Donc ça, c'est bien, parce qu'au moins, on a un AMG. Ok, un bon AMG. Et toi, tu te bouges aussi. Voilà. Trois personnes là. Vous autres, vous venez... Ici, toi tu restes là, toi. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est à nous, de toute façon. C'est à nous. Nous allons donc entrer de force, ici à l'intérieur, en rajouter un deuxième personnage. Bien. Toi, mon ami. Ici dedans, qu'est-ce que nous avons comme visibilité? 73, je crois qu'il faut que 70, il ne faut que 60. Donc tu peux aussi avancer à l'intérieur. 1, 2. Et ensuite, on va remplacer tous nos line troops qui sont là-bas. Ça, c'est sûr. Donc là, j'ai deux personnages. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai deux et demi. Donc... je pense qu'on pourrait commencer à déplacer une personne ou deux d'ici. Pour la ramener là-bas. Ce qui me permettra de reprendre celui-ci et de l'amener ici. Maintenant, il faut... non, on pourrait... il faudrait qu'il vienne comme ça pour se faire couper. Il aura quand même beaucoup de mal à passer tout ça. Nous avons 60 seulement. Nous avons des points ici, donc on peut bloquer ici. On peut mettre une nouvelle armée à cet endroit. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tout ça c'est de la plaine, agriculture, tu vois, c'est de l'agriculture partout. Donc des chars, maintenant, semblent être les choses les plus intéressantes. Les chars semblent être les choses les plus intéressantes à construire pour l'instant. Pour finir Wilhelm. Je crois. Et en plus, on pourra remonter sur les côtés. Donc on va... Mais malheureusement, je crois que je n'ai pas encore fait le side skirt. Hein. Si, j'ai fini mon side skirt. Mais je n'ai pas fait. Je n'ai pas encore lancé ma nouvelle... mon nouveau design. Donc, il faut lancer mon nouveau design. Il faut lancer mon nouveau design. Avec mon light tank. Build upon, puisque je crois qu'il est à 107. Alors, toi, tu as besoin de buter d'à peu près 150 d'armure. Et donc, avec un petit coup de 300, je crois qu'on a... C'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de monter comme des fous, non plus. Hein, 300, on attaque. Plus, comme tu attaques, tu gagnes plus de points. Donc, moi, je pense qu'un 40 mm est toujours aussi bon. Et je pense. Ouais, je préfère en construire plus que, voilà. Et j'ai une armure de 25 mm, je pense que c'est toujours aussi bon. Parfait. Nous sommes actuellement avec un 200 de nouveau, 320 de poids. Alors, j'ai pas besoin de 300, j'ai besoin de 270. J'ai besoin de 270. Laisse-moi un tout petit peu quand même regarder d'abord notre modèle, nos points. On a 57. Surtout qu'on va, on a le side skirt. On a le side skirt. Le side skirt va augmenter, presque doubler, je veux dire, nos points de vie. Par rapport à l'infanterie. Et c'est pas le genre de truc que je vais mettre devant des médiums, des chars. Hein. Donc on est à 111, si je ne me trompe, 111 points. 111 points au lieu de 86. Donc on a déjà 14, 24, 25, 12 points, déjà minimum. Et il faut qu'on monte notre engine design. Ouais, je pense que c'est bon, on reste comme on est, avec le même moteur, donc Start, Abraham, tu veux toujours ton 40 mm, ton 25 plating, et ton engine, 322,90, ça fait 32 en moins. Ça fait 287. « 335, là on est à 100%. Mais ça me coûte 5 fois plus de fuel et un petit peu plus de métal. Maintenant, comme je disais, ça permet d'aller... pas à changer grand chose, mais c'est vrai que le négatif, pour le moment, me coûte plus cher que le positif ne m'intéresse absolument pas, de toute façon. Donc avec du 100%, je serai à quoi? 335 moins 10%, j'aurai mes 90%, si j'ai 100% d'efficacité de moteur. On va repasser sur celui-ci. Comme ça, je ne perds pas, j'ai pas de mode en moins, j'aurai pas de mode en plus non plus, logiquement. Et si jamais j'ai du mode en plus qui commence à venir, je repartirai sur le light. Mais actuellement, ça serait bien d'avoir ça, parce que quand même, les points que j'ai, ça me fait des petits points AP de plus quand j'attaque avec mon canon, quoi. Je te fous un diesel, là. Voilà. Vas-y, ma poule, surtout que j'ai pas de problème de... Go to war. Non, 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 non. Je préfère que tu vas perdre, mais on le fera après. On fera ça après. Stratégie. On est obligé maintenant de recruter des gens. Alors, si je recrute un mercenaire, 49, c'est cher. Waouh, c'est cher. C'est très très cher. 49, c'est très très cher. Mais bon, ça pourrait peut-être remplacer notre Furs SHQ, qui lui me casse les bonbons depuis un bon bout de temps. Maintenant, on peut aussi se prendre un petit jeune, déjà. Moi, j'ai pas encore de talent, de nouveau. Hein. On va se prendre déjà un petit jeune. Et on va regarder ce qu'il nous donne, notre petit jeune. On va regarder ce qu'il nous donne, notre petit jeune. Alors, mon ami. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'aurais hésité? Voyons, 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 voyons. Alors là, 54 d'intelligence, 48 de war. Diplomate, on voit que c'est un diplomate. C'est un diplomate. C'est un diplomate. Il n'a que, enfin, pour un niveau 5, il n'a que 78 d'ambition. Beaucoup d'égoïsme. Et très héroïque. Donc, lui, il est... Je voudrais bien le mettre en SHQ, je vais dire. Malheureusement, nous voyons qu'ici... Ah, hein, pas spécialement. White Song, sortait de carrière. Les adventureurs, spécialisés en survival. Tu m'étonnes, pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tu es spécialisé en diplomatie? Non, en plus, tu as du sixième sens, de l'endurance, 54 d'intelligence, seulement 42 trucs. Soit il faut le mettre en intelligence, soit il faut le mettre en war. T'as zéro, quoi, c'est ça le problème, c'est le problème, tu as zéro, zéro, chez zéro, partout, à part là, quoi. Survival, sixième sens, endurance, tu es très très bon, mec, tu es très bon. Tu es tellement bon que je sais pas quoi faire avec toi, je peux te mettre partout. Tu vas... Allez. Dans les services secrets, même si c'est pas ta place du tout. Même si c'est pas ta place du tout, tu vas aller là. Ok. Maintenant, nous avons récupéré les positions que nous avions besoin de récupérer. Nous avons combien de points qu'il nous reste, mon ami? Il te reste 394. Tu as encore besoin en tout et pour tout. De actuellement, là tu as fini, et ici tu n'as pas fini, il te faut encore 17 points industriels, et c'est tout. Ta motocyclette. Ah, un petit biker. Alors, ici, dedans, comment évitons? Est-ce que... Non, je ne crois pas que j'ai des nouveaux. Hein. Non, non, vous êtes toujours les mêmes. Là, je suis dans le move, là. Ouais, je suis dans le move mode. Tu peux plus bouger, c'est tout truc, là. Ok, tu peux plus bouger des trucs. 389. Ok, 400, on va rajouter encore un peu. Ok, on va lancer des line troops en quantité astronomique, 150, ouais, pour 26 bons hommes. 150. Ouais, c'est pas mal déjà. Hein. On va remplacer tous mes bleus. Toi, tu es 5e MG. Ok. C'est mon HQ. Je ne peux pas. C'est parce que je n'en ai pas assez. Il y en a 45, hein, ça fait un paquet quoi. On va remplacer que ceux qui sont où ils doivent être remplacés. Donc vous autres, je veux vous remplacer. Replace. Voilà une troops. Tout. Replace. Vous autres. 1200 line troop, oui. Scrap. Ok. Donc là, j'ai de nouveau du people qui est revenu normalement. Line troop 2 qui vont remplacer. Mais normalement, il m'en manquait 1200, donc on a juste ce qu'il faut. Je crois qu'on a dépensé assez de points comme ça. On a dépensé assez de points comme ça. Bien que j'aurais pu pénétrer ici dedans, bien sûr, mais non. Pour le moment, il fallait que 60. Hein. Je pourrais passer à l'intérieur, mais ça va m'arranger à quoi? Tout de suite, pour le moment, bah... pas grand chose, à part me ramasser des coups dans le nez. Il me faudrait des bazookas aussi. Des bazookas, j'ai besoin de bazookas. Mais bon, pour le moment, on va arrêter ça comme ça. On refuse. 12 points, happiness. Il a une drôle d'idée, lui, hein, de vouloir me faire ça. Je crois que... on va... Luca, c'est tellement trop. C'est ici que tu descends ton nombre de points. Mais je te coupe à 90%. Là, il y a vraiment un gros problème de vision sur ce truc. Là, j'ai 568. Ouais. Donc le problème, c'est pas de venir de Carica là-bas, c'est de venir d'Anson par ici, tu vois. Mais comme on ne fait pas grand-chose, c'est pas très grave pour le moment. Pour pouvoir résoudre ce problème, il faudrait que j'achète pour 1000 balles l'autre truc. Mais bon, non, non, je vais voir clair, moi ici. Est-ce que nous aurions du... quelque chose à vendre, comme du fioul par exemple, à du 0,44. Je vais vendre du fioul. Tout mon fioul. Voilà. Là, ça nous fait quand même 280 crédits. Il vaut mieux le vendre à ce prix-là qu'on avait avant. Alors maintenant, on a de nouveau de la bouffe qui arrive, qui rentre de nouveau. On a du 0,17. Mais nous avons encore une bonne quantité à pouvoir garder, donc ça serait peut-être intéressant de le conserver. On regarde un petit coup ce que vaut la bouffe, comment elle tourne. Capital Prices. Et le food, il est ici, si je ne me trompe pas. Mais c'est difficile, hein, les couleurs, c'est affreux quoi. on passe le tour.